Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio et une nouvelle vidéo DC Comics avec le personnage de Mera. Alors, aujourd'hui, on n'est pas sur un économisé et partagé, on est sur une statue pour ma propre collection. Puisque, bon, pour ceux qui suivent, vous le savez, j'ai entamé du coup une ligne DC Comics animée du coup sur ces personnages. Alors, bon, bien évidemment, j'ai pris quelques statues de Queen Studio et de Prime One sur les personnages de films, principalement du coup sur les premières sagas et sur Dark Knight. Et du coup sur DC Comics, ben, j'essaye en fait d'avoir des pièces, je dirais un peu disparates, des pièces très volumineuses, très grosses, comme on avait pu voir la Wonder Woman Hydra récemment, ou le Justice Buster, ou voilà, des pièces qui sont vraiment très volumineuses. On verra très certainement prochainement le Bane. DC qui a l'air relativement monstrueux aussi, mais aussi du coup des personnages bah, qui vont venir du coup trancher un peu avec ces derniers et qui vont être du coup plus fins, plus élégants pour essayer, voilà, comment je vais vous expliquer ce que j'ai dans ma tête, pour essayer de ne pas avoir juste des gros blockos, des gros monstres les uns à côté des autres, et que du coup, bon, forcément, comme on est toujours, quand c'est des grandes pièces, on va pas pouvoir venir les coller ou jouer avec la profondeur du display, avoir quelque chose un peu de boum, 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 plusieurs blocs les uns à côté des autres. Voilà. Donc je suis du coup parti sur plusieurs personnages féminins qui sont bien évidemment beaucoup plus dans la verticalité avec des socles de petite taille et que je vais pouvoir venir disposer les uns à côté des autres. Alors, je vous avais déjà présenté le Aquaman précédemment. Là, on va voir aujourd'hui Mera. Pour essayer aussi de former un petit peu des duos, j'ai pensé par exemple, je ne sais pas, alors même s'ils ne sont pas tirés forcément du même univers de base, mais je pense que harmonieusement ça devrait être sympa, à la créature du marais à côté de Poison Ivy, ou bien sûr Punchline à côté du Joker, etc. Voilà, pour essayer d'avoir à chaque fois une espèce de côté homme-femme et du coup statue un peu grosse, badass. Un peu blockos pour du coup le personnage masculin et à l'inverse quelque chose de plus fluet, de plus féminin et artistique avec, avec le produit féminin justement. Alors, je pense qu'elles sont pas très très connues du grand public. Je pense que d'ailleurs ça n'a pas intéressé grand monde de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, je vous présente quand même petit à petit l'évolution de ma collection et mes pièces personnelles. C'est aussi, je trouve, important parce que c'est vrai que je vous donne toujours mon avis sur les caractéristiques techniques, de poids, de taille, de rendu, etc. Sur les économiser et partager. Mais du coup, au final, on n'a pas vraiment de cohérence dans les pièces qu'on voit, puisque forcément, elles appartiennent à X ou Y collectionneurs et elles vont s'intégrer dans des lignes de collection différentes. Là, on avait vu du coup tous les produits Marvel que j'avais sélectionnés pour ma pièce. Là, je vous présente maintenant du coup les produits DC, parce que j'ai, vous le savez, fini plus ou moins avec l'univers Marvel. Alors, pour les personnages féminins représentés par Prime One Studio dans DC, on va avoir bien évidemment les Birds of Prey qui vont être les plus connus, donc à savoir Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman. Mais on va avoir aussi du coup des personnages un peu plus de niche qui vont pas intéresser grand monde et qui vont être très limités en termes d'exemplaires. C'est aussi ce qui me séduit sur ces statues, parce que vous le savez, voilà, j'ai toujours beaucoup beaucoup de mal avec les pièces qui vont faire 1000 ou 1500 exemplaires. Là, on est sur une statue de Mera qui est éditée à 200 exemplaires. Alors, je ne sais plus combien l'était le Aquaman, bon, qui reprend quand même bien le visage de Jason Momoa, donc avait un potentiel de vente relativement important. Je crois que c'était aux alentours de 500. Bon, la Mera, je pense pas spécialement qu'elle soit censée représenter Amber Heard pour le coup. Non, absolument pas du tout. D'ailleurs, il y a deux petits éclats sur la chevelure. Pas dramatique, mais bon, sur une statue neuve, bon, c'est toujours un peu gênant. Voilà, donc on va avoir le personnage de Mera qu'on va pouvoir venir associer avec Aquaman. On va avoir Punchline en duo avec le Joker. On va avoir Black Canary, bon, elle pour le coup éventuellement en association avec Flash, mais il n'y a pas de Flash un tiers DC Comics. Moi, j'ai pris du coup, il y a très longtemps, c'est une statue que je vous avais présentée au magasin, le Flash de la série Netflix que j'ai énormément aimé, mais bon, lui qui est plus tiré de l'univers cinématographique que DC Comics. On va avoir Power Girl, bon, elle aussi,
éventuellement associé avec un Superman, bon, voilà, il n'y a pas forcément de duo de statues qui matchent ensemble. On va avoir, bon, bien évidemment, Wonder Woman. On va avoir Supergirl, elle qui va bien matcher pour le coup, qui a l'air très très jolie avec le chat dans les bras, avec un très beau Superman comme le Hush, pourquoi pas, je pense que ça peut bien le faire. Qui sait qu'on a d'autres encore? Je crois que c'est à peu près tout. Si on a le personnage de Zatanna aussi, que je vous présenterai en vidéo, mais qui s'associerait à merveille avec un Constantine entier, mais bon, pourtant il a l'air sublime, le Constantine que produit Prime One, mais pour une raison obscure, ils l'ont fait en un quart. Voilà. Et après, je crois que c'est à peu près tout, parce que Cyborg, bon, on n'a pas de pendant féminin. Green Lantern, il n'y a pas de Green Lantern féminine connue. Voilà, enfin bon, du coup, on va avoir grosso modo 7-8 statues de personnages féminins. Et hormis du coup les Birds of Prey et Wonder Woman, où on a plusieurs représentations, Catwoman, je crois qu'il y en a 2-3, Wonder Woman, il y en a je ne sais pas combien, il y a celle sur le nuage, là que je devais faire en économiser, partager, bon finalement ça s'est pas fait, il y a eu celle sur le cheval, il y a la Versus Hydra que je vais mettre dans ma gamme métal que je vous ai montré, enfin il y a plein de Wonder Woman, mais les autres personnages, on va avoir du coup une seule représentation par perso, et c'est des statues qui vont être du coup peu éditées, donc je trouve aussi un intérêt à les avoir. D'une, bon, voilà, je retrouve le côté collectible et limitation. Et de deux, vous le savez, c'est aussi quelque chose qui est assez important pour moi, c'est d'avoir du coup des pièces et des setups qu'on ne voit pas forcément 25 fois de manière identique sur Facebook. Je trouve que c'est voilà, aussi sympa parce que c'est aussi la diversité qui offre du coup la richesse dans le regard du collectionneur. C'est-à-dire que voilà, si vous allez voir 10 fois d'affilée exactement les mêmes pièces associées, alors bon, je vais encore prendre parce que forcément c'est facile, c'est le produit du moment, mais bon, ça n'empêche pas que c'est une très très belle ligne. Celle des JND Studios, bon, fatalement, voilà, il n'y a pas 46 000 possibilités d'exposition, les socles ils sont quand même très rectilignes, très muséum, donc vous les placez côte à côte, et on va avoir du coup, ben, pour les gens qui ont pu s'en offrir plusieurs, voilà, 4-5 JND posés côte à côte de manière relativement classique. Alors oui, c'est très joli, franchement, ils ont quand même une très belle ligne, les socs sont très harmonieux, on a vraiment l'esprit musée et collection à 200% pour le coup. Maintenant, c'est vrai qu'à l'inverse, bon, c'est toujours présenté de la même façon, et fatalement, vous voyez la première fois le display, vous vous dites, waouh, ça en jette, la deuxième fois, waouh, c'est cool, la troisième fois, c'est cool. Bon, au bout de la 15e fois que vous voyez, vous scrollez, vous regardez même plus, quoi. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est du coup aussi d'essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu atypique et dont ça ne sera pas vu par grand monde, puisque pour le moment, je n'ai pas montré mes pièces d'exposition. On verra si ça sera le cas plus tard. Mais en tout cas, avec mon regard, quand je vais les voir, parce que c'est quand même pas souvent, voilà, à chaque fois d'avoir un effet waouh et l'impression d'avoir jamais vu ça. Bon, pour le moment, j'ai fini du coup uniquement ma pièce Marvel. Les autres, elles sont en cours de construction. Et franchement, ça marche à fond. C'est-à-dire que quand je monte du coup, parce que mes pièces sont au deuxième étage, quand je monte au deuxième et que du coup j'ouvre ma salle Marvel, j'allume au préalable, j'ai systématiquement, ça doit faire, je ne sais pas combien de fois j'y suis allé, quelques dizaines de fois, j'ai systématiquement, sincèrement, cet effet, waouh, ça en jette et tout. Alors bon, heureusement que ça me plaît, parce que bon, bien évidemment, c'est moi qui ai sélectionné les pièces et qui les ai disposées. Donc ça plaira peut-être pas à X ou Y, mais en tout cas, bon, je pense que c'est quand même le plus important, c'est que moi, ça me plaise. Vraiment, à chaque fois que j'ouvre, je kiffe. Je suis tout de suite, ben, je sais plus si je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je suis tout de suite dans les génériques, si je crois qu'on en a parlé, dans les génériques d'X-Men, de Spider-Man, où il y a plein de personnages qui s'entremêlent et tout. Je trouve que c'est vraiment, pour le coup, réussi. Bon, bref, ouais. Ben, tout ça pour pas... Ben pas pour me pignoler sur ma collection, c'est pour voilà, expliquer pourquoi j'ai choisi cette pièce et qu'est-ce que je compte plus ou moins reproduire avec DC Comics. Alors, cette statue, elle vient du coup de chez Derek Store. Merci beaucoup du coup à lui, parce que c'était, je crois, le seul à l'avoir encore en stock. Et c'est une statue qui est du coup un tiers à 200 exemplaires et qui était proposée à 1199 euros, donc un ancien prix des statues un tiers. Bon, il n'y a pas un travail phénoménal sur cette pièce, on va le voir ensemble. Maintenant, bon, pour du un tiers, on est voilà, en dessous enfin, bon cran, en dessous de 1500 euros, et on est sur une statue qui est limitée. Donc, pour moi, je trouve que le rapport taille-tirage-prix est bon.
Alors, on va retrouver beaucoup de similarités avec, avec le socle d'Aquaman, c'est-à-dire qu'on va avoir un socle avec plein d'effets de l'Atlantide, là, que ce soit des coraux ou des petites perles, c'est un peu plus féminin puisque c'est relié du coup par une espèce de filament entre elles, c'est assez joli, bon, il n'y a pas un travail phénoménal, on a devant du coup le symbole de Mera. On a ce même effet de vague en résine translucide qu'ils avaient du coup employé bien sûr sur Aquaman mais aussi sur la gamme des Jurassic Park comme le Mosasaur ou comme d'autres persos qui étaient du coup dans l'eau. C'est toujours bien fait, franchement moi j'aime bien. On part du coup d'un dégradé de résine translucide bleu foncé en allant du coup vers l'écume qui est relativement blanchâtre. C'est joli. Après on a le costume bah, qui est relativement texturé, qui est pailleté du coup sur le haut du costume. Alors ils n'ont pas pailleté les bottes. Bon, peut-être que du coup dans le comic ça c'est pas le cas, je ne sais pas. Et on va avoir, alors ça j'ai trouvé ça pour le coup un peu dommage, on va avoir les ailettes de poisson sur la partie arrière des bottes, mais une qui est complètement repliée sur la jambe qu'on ne voit absolument pas parce qu'elle est dans la pénombre, elle est face à vous, enfin elle est derrière vous. Quand vous êtes face à la statue, donc impossible de la voir. Et la deuxième qui rentre carrément dans le socle. Alors, j'ai absolument pas compris parce qu'on a une pièce qui est quand même joliment sculptée et bien peinte et qui vient s'imbriquer dans le socle où vous ne la voyez strictement plus. Bon, un peu spécial. Après, on a le haut du costume qui est du coup pailleté. Ça vient donner un peu de peps, un peu de brillance, attirer la lumière sur la pièce, c'est assez sympa. Et après, le sceptre qui est en position du coup relativement dynamique puisqu'il est transversal à la statue et c'est assez voilà, ça donne une bonne posture aussi avec les cheveux du coup alors on va reprendre de nouveau l'élément du socle sur son diadème et des cheveux qui sont vraiment tout en dynamisme qui donnent du coup un effet un peu de flotter dans la mer effet qu'ils ont d'ailleurs très très bien reproduit dans le deuxième film d'Aquaman. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait, on voit les cheveux onduler comme ça comme quand vous êtes sous l'eau dans une piscine. Je trouve que c'est vraiment très bien fait dans le film. Et on va avoir un peu du coup cet esprit sur la statue. C'est assez sympa aussi. Alors, c'est une statue bien sûr qui ne va pas être voilà, démentielle, délirante, qui va intéresser très peu de monde. D'où le fait qu'on la voit très rarement, je pense, dans les collections. Primeone a fait un tout petit tirage. Parce que oui, elle est quand même relativement simple. Le personnage de Mera, bon, on va être clair, absolument tout le monde s'en balance. Où les personnes la détestent parce qu'elle a été incarnée par Amber Heard, où les persos, où les gens n'ont strictement rien à faire. Donc bon, fatalement, en version DC Comics, puisqu'en plus là, on n'a pas le truc JND Line, machin, je me sens plus, je poste sur Facebook. Bon, forcément, ça intéresse strictement personne. Je crois que j'ai d'ailleurs, je sais pas où sont les 200 pièces, parce que je crois que j'ai jamais vu cette pièce dans une collection. Alors bon, je dis pas que c'est une statue unique, mais franchement, bon. Peut-être un peu aux États-Unis, j'aurai pas trop les collections des Américains, mais bon. Voilà, donc c'est une statue qui a eu bien sûr très très peu d'engouement et qui va très certainement pas parler à grand monde en vidéo, mais bon, encore une fois, c'est quand même. Voilà, il n'y a pas trop de vidéos sur elle, donc c'est sympa d'en faire une, je trouve. Après, on a des petits poissons volants aimantés en résine translucide qui sont assez bien fichus aussi, qui viennent s'aimanter avec un système de colorimétrie pour retrouver lequel va où. C'est assez sympa aussi. Voilà, grosso modo, on a ça. Bon, je vous l'ai fait un peu tourner, malgré que je l'ai mal disposé du coup sur le socle, sur le plateau tournant plutôt. Voilà, bon, là, la résine translucide, on a un joli travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, non, je vous ai à peu près. Elle est cassée là aussi. Voilà, la pose, elle est assez sympa parce qu'elle est dynamique, elle est un peu comme ça, alors un peu en vague, du coup, donc on a une espèce de mouvement, un peu justement de vague contre vague là sur le socle, on a une vague qui va comme ça et l'autre comme ça, bon, ça c'est assez sympatoche aussi, elle est du coup posée dessus, c'est assez gracieux, assez élégant, et le sceptre du coup il vient apporter lui aussi de la dynamique, puisque comme il est perpendiculaire à la statue, c'est assez sympa aussi, voilà. Allez, on va passer à la notation parce qu'on a effectivement rien de transcendant sur cette pièce, donc je ne vais pas vous baratiner pendant 45 minutes non plus. Alors, en réalisme et fidélité, comme toujours, je l'ai très peu vu dans les comics. Je pense qu'on a quelque chose de pas trop trop mal, mais je ne vais pas m'aventurer plus loin, donc je vais lui mettre la note de 14 sur 20. En rapport qualité-prix, alors, le tirage, pas de souci, 200 exemplaires, je rêve que toutes mes statues de licenciés soient à ce tirage.
Pas de problème, 200, c'est très bien. La taille, le poids, bon, elle est quand même pas légère, légère. Je crois que le socle, il fait, je crois qu'on avait une vingtaine de kilos pour le carton du socle et une dizaine, je crois, pour l'autre, peut-être un peu moins. J'exagère peut-être un peu. Entre 20 et 25 kilos, on doit avoir de résine. On doit avoir un personnage de 60-65 cm. Bon, pour 1200 euros prix public, parce que là du coup je l'ai pas acheté, je l'ai pas acheté chez PBM, donc je bénéficie pas de remise quoi. Bon, voilà, pas choquant, c'est pas l'affaire du siècle, c'est certain, parce que vous trouvez des Prime One plus ou moins du même gabarit, notamment sur la gamme Arkham, qui vont être à 5 ou 600 balles. D'ailleurs, c'est une statue, bon, que j'ai pas du tout trouvé en occasion, mais que bon, quelqu'un qui veut s'en débarrasser, s'il la brade pas, elle sera invendable. Donc oui, vous pouvez très bien la toucher à la moitié de ce prix. Si quelqu'un veut s'en séparer vite, ça semble pas improbable. Maintenant, bon, on va pas non plus noter que les bonnes affaires du bon coin. Donc bon, je dirais qu'en rapport qualité-prix, je vais mettre aussi 14, parce que bon, on n'a pas quelque chose de dingue. On a les Dark Knight Metal qui sont quasiment au même prix pour quand même quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup mieux fini et beaucoup plus gros. Bon, maintenant, il n'y a rien qui me choque non plus. C'est bon, ça passe. Et en rendu global, bon, on a quelque chose qui est quand même relativement simpliste, mais qui est bien exécuté, que moi, personnellement, j'aime bien. Donc, je vais noter avec mes goûts. Ok, je vais mettre 15 sur 20. Maintenant, quelqu'un qui est, voilà, pas spécialement fan du perso ou DC Comics, etc., je pense qu'on sera plus sur une note de 12, 13. Voilà. En note globale, bon, faut avouer qu'on n'a quand même pas quelque chose d'époustouflant. On a quelque chose qui n'est pas spécialement low cost non plus. Donc, en toute objectivité, je vais essayer de partir sur 13 sur 20. Voilà. Allez, on clôture du coup avec celle-ci. On verra du coup, comme je vous l'ai dit, d'autres personnages féminins dans d'autres vidéos. À bientôt.